Salut les voyageurs. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto plus particulièrement destiné à vérifier si tu possèdes le bon permis par rapport à la conduite de ton camping-car et ou de ton attelage. L'idée de ce tuto m'est venue du dernier tuto concernant le fait d'éviter les PV avec ton camping-car, dont tu retrouves un lien ici. Et plusieurs abonnés ont posé des questions beaucoup plus précises sur les permis, le B, le B96 et le BE pour la législation française. D'où l'idée de faire un quiz pour vérifier un petit peu si on est tous bien au clair sur qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'un B, on peut s'en suffire, pourquoi on pourrait avoir besoin d'un B96 et finalement dans quel cas on passe au BE. Le quiz qui va suivre concerne les camping-cars dits légers. On ne va pas aborder la problématique des camping-cars PL, donc qui nécessitent un permis poids lourd. En général, les conducteurs de ce genre d'engin, voire de ce genre d'attelage, ne sont pas des primo-accédants au niveau des camping-cars, ce n'est pas leur première expérience et ils sont en général très au clair sur les permis. Néanmoins, voici les permis nécessaires, résumés dans ce tableau. Avant même d'aborder de quel permis tu as besoin, il faut déjà être très au clair sur quelques termes qui sont souvent employés. On parle ici, par exemple, du PTAC, donc poids total autorisé en charge, que l'on appelle également la masse maximale en charge admissible du véhicule. C'est finalement, une fois totalement rempli, mais absolument totalement rempli, le poids que l'on n'a pas le droit de dépasser, ni au niveau du véhicule tracteur, ni au niveau de la remorque. Si tu entends parler du F2, c'est exactement la même chose que le PTAC. Donc PTAC égale F2. Le PTRA, c'est le poids total roulant autorisé. Quand on parle de PTRA, on parle souvent ici de la somme des PTAC d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler du PTRA, je préférerais toujours parler de la somme des PTAC, ce qui permet de bien différencier le PTAC du véhicule tracteur et le PTAC de la remorque. Le F3, c'est exactement la même chose que le PTRA. Donc PTRA égale F3. Ça dépend de l'ancienneté de ta carte grise. Charge utile est en général indiquée par le constructeur du camping-car. Cette charge utile, c'est ce qu'il te reste à pouvoir charger dans le véhicule à partir du moment où on a déjà le conducteur qui est compté, 90% de l'eau, 90% du carburant, 90% de gaz. En général, un camping-car d'à peu près 7 mètres dispose, bon an mal an, de 500 kg de charge utile. PL. Si tu entends parler de PL dans le monde du camping-car, ça désigne les camping-cars dits poids lourds, c'est-à-dire qu'ils présentent un PTAC de plus de 3,5 tonnes, forcément disposent aussi d'une meilleure charge utile. Mais dans les questions qui vont suivre pendant ce quiz, nous n'abordons pas la problématique des PL. Ce quiz va te poser 6 questions, plus ou moins compliquées, avec chaque fois le fait de savoir si le permis B suffit, ou si un B96 est obligatoire, ou encore si le BE est obligatoire. Après chaque question, tu disposeras d'un petit chrono de 5 secondes, le temps de réfléchir, et ensuite, la réponse s'affichera avec sa justification. Premier cas, le cas tout à fait classique, 3 véhicules dont les PTAC sont compris entre 2000 et 3500 kg. Avec quel permis peut-on les conduire ? Il s'agit bien entendu du permis B. Deuxième cas, le cas d'un véhicule léger et d'une caravane légère
assimilé à une remorque freinée. De quel permis a-t-on besoin pour conduire cet attelage ? Il est vrai qu'il s'agit d'une remorque freinée, mais puisque globalement la somme des PTAC reste inférieure ou égale à 3,5 tonnes, le permis B suffit. Troisième cas, le cas d'un 4x4 attelé à une caravane, aussi assimilé à une remorque freinée. De quel permis as-tu besoin ? Dans la mesure où la somme des PTAC dépasse 4,250 tonnes, c'est le permis BE directement. Quatrième cas, le cas d'une berline et d'une caravane assimilée à une remorque freinée. De quel permis as-tu besoin ? Voilà un cas où la somme des PTAC est comprise entre 3,5 tonnes et 4,250 tonnes. Voilà toute l'utilité du permis B96. Cas numéro 5. Voilà typiquement le cas pour lequel on peut lire le plus de choses totalement fausses sur Internet. De quel permis as-tu besoin ? Effectivement, si on le comprend bien pour le cas de la voiture et du 4x4, souvent on pense que un camping-car de 3,5 tonnes attelé à une remorque légère de PTAC inférieure ou égale à 750 kg a besoin d'un autre permis que le permis B, c'est faux, le permis B suffit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le dernier cas, la question se pose à peine. De quel permis as-tu besoin pour conduire cet attelage ? Dans la mesure où la somme des PTAC dépasse 4,250 tonnes, c'est le permis BE direct. Après ce petit quiz pour lequel j'espère tu auras fait pas mal de bonnes réponses, il y a quand même une petite moralité. La petite moralité, c'est de se dire, beaucoup de personnes se demandent, est-ce que j'ai besoin d'un permis B96 avec mon camping-car de 3,5 tonnes ? Et bien, comme vous l'aurez compris, le cas n'arrive jamais. À partir du moment où ton camping-car fait 3,5 tonnes, tu as le droit, avec un permis B jusqu'à 750 kg de PTAC sur une remorque non freinée, dès que tu dépasses ça, c'est-à-dire 751 kg avec une remorque freinée, de toute façon, tu dépasses 4,250 tonnes sur la somme des deux PTAC et c'est le permis BE direct. Il n'y a donc pas de logique avec un CC de 3,5 tonnes attelé à ce que l'on te propose un B96. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, que le quiz t'aura un peu détendu pendant ces jours de confinement ou de semi-confinement. En tout cas, n'oublie pas de jeter un coup d'œil à la vidéo pour éviter les PV. Là, on n'y parle surtout pas que du permis, mais aussi des vitesses, des dépassements, des giratoires. Merci par avance pour le pouce bleu et aussi merci par avance pour ton abonnement. Ça fait toujours très plaisir. À bientôt.